Bonjour les amis, donc ce matin, pas de brossage de dents parce que Monica, elle fait dodo, donc j'ai pris mon petit café. Ce matin, moins 4 degrés à l'extérieur. On va attaquer l'ascension avec une belle journée. À mon avis, j'ai un dénivelé de 600 à 700 mètres de dénivelé. Donc là, voilà, regardez comme c'est beau. Allez, j'attaque la montée par là-haut. C'est parti. Bon, lors de l'ascension, je découvre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un canon. Il doit y avoir une sorte de forteresse ici. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un canon, ça. Ah ouais. Ouais, il y a un bunker. C'est un temps, je vais voir des Allemands. Oh purée, j'aurais dû prendre mon FAMAS. Ça, c'est des stories à la con. Voilà, bon allez, petit décor, le lever de soleil dans une demi-heure à mon avis. Allez, on monte là-haut. Alors la particularité de ma rando, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Donc je fais tout en azimut brutal, on appelle ça. Donc je monte tant bien que mal à droite, à gauche, je recherche des chemins d'animaux, vous voyez, parce qu'ils prennent souvent le même chemin, donc ça fait des sortes de petites drailles. Dans le midi, on appelle ça des drailles. Donc je suis et je fais des S. Donc bon allez, ça y est, j'attaque la neige, la limite de neige. Donc là, je suis à 10 cm de neige pour l'instant. Par là-haut, je pense que je serai à 30. Bon, j'ai pas pris la raquette, on va voir si ça a été un choix judicieux. Parce que bon, ça reste de la poudreuse, et la poudreuse avec des raquettes, ça sert pas à grand chose. Donc là-haut, je pense 20-30 cm. Les nuages s'annoncent. J'espère que je vais avoir une belle fenêtre de vidéo, histoire qu'il n'y ait pas de nuages, et que je puisse faire un giro de tout ça. Et puis voilà, allez. Soirée dans le Grand Nord. Alors mon rêve là, ce serait de rencontrer, vous savez, un lapin avec le pelage blanc. Il y a déjà les traces. Oh oh. Mais ce serait pas le soleil qui arrive là. Bon, ça a l'air de se dégager. Croisons les doigts pour le drone là-haut. Enfin, je suis pas encore arrivé. Oh, ça y est les amis, j'arrive au sommet de ma randonnée. 3 heures pour y arriver. 3 km. Le mec il se trompe dans la montre. Donc j'ai fait 3 km en 2h05. J'arrive, j'ai fait un dénivelé de 740 mètres de dénivelé. Regardez un peu ce spectacle. Magique. Allez, je vais envoyer le drone là. Voilà, je suis à une altitude de 2648 mètres. Bon, presque 2007. Voilà. Bon, je vais m'habiller un peu chaudement parce que là, il y a un vent en limite de crête. Sinon, je vais me refroidir et j'envoie le drone là. Je vais envoyer tout ça là, par là-bas. Bon, je vais essayer de ne pas me prendre de montagne. Hein. Voilà, là c'est superbe, j'ai du soleil, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai envoyé le drone,
C'est assez incroyable, j'ai fait des super prises de vue. J'ai même fait une story, pour certains que vous l'avez vu là, samedi. Parce qu'on a du réseau là. Regardez ça. Alors je m'approche pas trop près du bord parce que la neige elle s'est accumulée là avec une sorte de congère vraiment au sommet et là ça risque de décrocher, donc ce serait pas cool de décrocher jusqu'en bas parce que là il y a de la falaise. Bon, je regarde que j'ai rien oublié parce que là je monterai pas les gars. Là je remonte pas, hein. Sauf si j'oublie le drone, mais là il est dans le sac. Allez, on attaque la descente. Oh putain. Ça y est les amis, j'arrive au lieu du bivouac, du spot. Donc là j'ai fait 5 700 km presque en 2h50 avec un dénivelé de 740 mètres de dénivelé positif. Bon, ça a grimpé quoi. Allez, je vais voir Monica. C'est un spot de ouf quand même. Allez, donc j'ai avec Monica, j'ai vu Allez, on va quitter ce fabuleux spot là, vraiment avec regret, mais on va sur le col de la Bonnette, tout en haut. Donc j'ai vu que la route était dégagée, donc on va voir si elle n'est pas bloquée et si on peut se mettre là-haut sur le parking au bord du lac, ce serait sympa. Donc on va voir ça et en avant. Voilà. Ah ça y est, on a pris la direction du col de la Bonnette. On va voir s'il est fermé. S'il est fermé, on fait demi-tour. On va prendre le plan M. Ça ne s'arrête plus quoi. On s'arrête. Allez, on attaque les parties enneigées. Il y a eu quelques passages sur la route enneigée. Bon, Monica, elle n'est pas au top de sa forme là. Elle est un peu inquiète jusqu'à l'arrivée. Donc on va voir là. Allez, on attaque.
Ça va, Monica? Oui. Bon, c'est vrai que le dernier passage, là, c'était un peu rock'n'roll, mais on y est. Parce que si vous vous souvenez, j'étais venu cet été et sur ce parking, et il y avait le spot juste derrière, et là, il y a le lac. Donc, je voulais me baigner, mais là, ça va pas être possible, hein, puisqu'il est gelé. Hein. Bon, je crois pas qu'on va rencontrer grand monde. Là, il y a deux voitures. Regardez cette étendue, comme elle est magnifique. Ce soleil. C'est bon, je l'ai rassuré là. Je lui dis, allez, on attaque l'apéro. D'un coup, elle a fait ouais. Moi, j'ai fait ça. Non, c'est pas vrai. Non. Putain, j'ai pris un peu de boue là, non? Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, il va falloir que je lave. Regarde dans le film camping quoi. Santé. À la tienne. Et le curly, ouais. Ça c'est des stories à la con, ça oui, ça on peut le dire. Petite balade digestive parce qu'on a fait un repas d'un autre monde. Hein. On n'a pas filmé le repas parce qu'on va pas filmer que le repas, c'est bon. Regardez. Alors on a rencontré un photographe qui est de Barcelonnette. On a vraiment sympathisé. Il s'est même abonné à notre Instagram. Quoi. C'est incroyable. Des followers dans tous les sens. Enfin bref. Et il a un fourgon aménagé. On a pas mal discuté, échangé des spots secrets, des restaurants secrets. Enfin bref, on vous dira pas. Ah, c'est magique. Bon, les amis, on va jouer la sécurité. Ouais. C'est bon, Monica n'est pas rassurée, mais je vous avoue que là, sur ce coup, elle a raison. Parce que là, vous voyez la route, là, elle est trempée, là, ça coule. Et cette nuit, ils annoncent moins 10. Donc, comme demain matin, on doit partir à 7h30, tout juste le soleil, même pas, il passe la montagne, là. Donc là, ça va être verglacé. Donc on n'a pas envie de partir dans le décor. Non. On va partir du spot. On va descendre. On va descendre et puis voilà. Vaut mieux jouer la sécurité. Parce que là, il sale pas ni quoi que ce soit ici. Là, il n'y a personne. Bon là la route elle est déjà glacée. Donc déjà même pour monter, nous on glisse quoi. Donc allez, sécure. On va aller sur Josier, le spot de Josier, on va voir. C'est un spot à côté d'un lac, lac de loisirs, je crois. On va voir. Allez, au revoir le col de la Bonnette, fait en bas. Et on redescend. Allez, c'est parti. On arrive. Bon alors là c'est le parking de la base de loisirs. Donc là c'est sûr que c'est plus sécur. On est à Josier même. Donc il y a un petit parc avec un site d'escalade, tout ce qu'il faut, un skatepark et même un étang là, donc voilà, là on est tranquille. Là Monica, elle va dormir tranquille. Bon, allez, on va
va se balader aussi. Purée, quel éclairage. Alors, les amis, vous devinerez pas. Bon, on va partir du spot. Parce qu'en fait, on a fait le tour du lac. Et puis Monica me dit, tu te sentirais pas une pizza, tout ça. Alors, un, il est fermé. L'autre, il est fermé, congé annuel. Et il y avait même une baraque à pizza qui marchait pas. Une baraque à pizza qui marchait pas. Donc là, on s'est mis en ambiance de pizza, là, vous voyez. Donc, on va quitter le spot et on va partir sur Barcelonnette. On va voir s'ils ont des pizzas, les gars. S'ils n'ont pas été pizzas, ben, on va se faire les œufs au plat qu'on a. Hein. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Il est 17h. Il est 6h moins 20. On dirait qu'il fait nuit, quoi. C'est un truc de fou, la montagne. Ciao. Oh, ça y est, on est arrivé à Barcelonnette. Et on a trouvé la pizza, les amis. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Enfin bref, ça c'est de la story en bois à la con qui sert à rien. Bon les amis, simplement pour vous souhaiter une bonne soirée, on va pas vous filmer l'extérieur parce qu'il fait nuit. Et puis voilà, et puis il y a pas de renard ici, on est à Barcelonnette, hein, dans la ville. Bon, peut-être qu'il y en a, on sait pas, je vais voir. On a du pain ou pas? On file des pizzas? On sort plus. Bon, allez. Bon, une bonne soirée, on se dit à demain pour le départ. Ciao. Bonne nuit. Bonjour les amis. Pourquoi je suis en tutu aujourd'hui? Eh bien c'est à cause de Daphné ça. Elle me dit t'es pas cap de sortir te brosser les dents en tutu. Puis de suite Monica elle a entendu ça, de suite mission possible. Eh non pas mission possible, elle a des tutus, elle a des tutus, elle a une robe. Voilà, une jupe pardon, je suis pas trop le spécialiste de tout ça. Bref, ni une ni deux, je me suis dit Loïc t'as dû la challenge. Au départ je voulais le faire au bord du lac. Mais verglas, pas verglas, Monica avait trop peur. Donc je me suis dit, allez, on va faire le côté sécur, on va le faire à Barcelonnette. Bon, j'espère qu'il n'y a pas des personnes qui me regardent parce que alors. C'est tendu. Bon, moins 3 ici, c'est bien. Donc voilà, on va partir bonne heure. Ce matin, on va aller boire le café sur le trajet. Et puis voilà, c'est sympa le titi des filles. Hein. Oh, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Attendez. C'est pas une peau de renard? Oh, mais c'est mon petit Kiki! Il est là avec nous! Oh, putain, c'était chaud, je comprends comment il faisait pour résister là-haut. Ah, à manger notre baguette de pain. Mais non, c'est pas du vrai renard, ça va. Ouais. Allez, j'arrête mes bêtises et story à la cour. Le soleil se lève sur Barcelonnette et le mec il est à fond. Allez. Bon, ça a bien gelé cette nuit. Waouh, regardez ce soleil qui arrive encore une fois. Alors ici, on est sur le parking pour fourgons et camping-car de Barcelonnette. C'est une aire pour camping-car qui est super sympa. Tout proche du centre pour les pizzas, bien sûr. Et puis voilà. Bon, allez. Oh là là, qu'est-ce qu'il est sale. Oh là 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 là. Mais dans quelle route on est passé? Bon, allez, on va décoller. Traverser le rond-point. Deuxième sens. Vous avez entendu le GPS? C'est que les femmes qui nous commandent dans ce monde. C'est terrible. Allez, ça y est, on est parti, direction Marseille. Monica, elle est là. Hello. Toute belle. Voilà, elle a pas mis son tutu, je sais pas pourquoi. Je lui ai dit, tutu, tu te mets le tutu torse nu, vite fait. Non, ça marche pas. Il fait trop froid. Bon, eh ben là, on s'en va vers notre petit café préféré. Deuxième sortie. Vers notre café préféré, sur le bord de la route. Et puis après, on trace sur Marseille. Hein. On vous dit, c'est au revoir, hein, réglementaire.
Alors là, on est descendu vers Vin-sur-Josier, donc c'est l'itinéraire pour Marseille. On a une aire de vidange pour camping-car et fourgon. Donc là, on a de la chance parce qu'en hiver, il est ferme parce que c'est mis hors gel, quoi. Sinon, c'est gelé. Et là, on ne pensait pas qu'elle soit en fonction, celle-ci. Donc là, on peut vidanger. Donc, en fait, j'explique tout ça pour ceux qui sont nouvellement abonnés à notre compte. Donc vous avez l'eau grise, on appelle ça, c'est l'eau de la douche, du lavabo, de la vaisselle. Et après il y a les toilettes aussi à vider dans cette petite caisse là dedans, ça part dans les égouts. Et on peut faire le recomplètement d'eau, voilà. Voilà, vous savez tout. Et en même temps on attend pour la fromagerie parce que l'ouvre à 9h. Donc on a un quart d'heure, tranquille. Et on va aller voir s'ils ont encore du bon fromage. Comme ça, vous savez tout. Vous allez être des pros du fourgon, quoi. Les petites vaches. Bon, maintenant, la caissette des toilettes. Voilà. Bon, je vous montre pas parce que là, ce week-end, j'ai fait des gros caca. Oui, ça c'est une story à la con, ça va. Monica, elle s'en va. Allez, c'est la dernière story du week-end. On espère que vous avez apprécié notre... Attends, je regarde si là... casquette est alignée, c'est bon. Ouais, que vous avez apprécié ce week-end. Nous, c'était super, on s'est régalé. C'était au top. Vraiment, de reprendre le fourgon depuis 2 mois, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a repris possession du véhicule et puis ça nous rapproche vraiment de la nature. Et là, cette rencontre avec le renard, ça a été encore une fois extraordinaire. À mon avis, il est un peu apprivoisé parce que tout le monde, enfin les gens doivent lui donner sur le col à manger. Et bon, peut-être que c'est un tort à mon avis, mais nous on a été en fait transportés parce que cette rencontre elle était extraordinaire, magique. Je crois que ça, c'est une fois dans sa vie qu'on rencontre un renard comme ça, quoi. Ça vraiment, pas encore remis, d'ailleurs. Vraiment de la chance, quoi. Vraiment, il était vraiment très. Et il m'a un peu mordillé le doigt, mais comme un chien. Je veux dire, quand il vous mordille un peu là. Ça allait pas être une grosse morsure, ouais. En tout cas. Et parce que au niveau de la rage, la rage n'existe pas en France. À savoir, voilà, si y a des cas de rage, c'est que c'est des animaux qui sont importés d'ailleurs, quoi. Il n'y a pas de rage en France. Voilà, et c'était tout ce qu'on avait à dire voilà. Encore, prochaines aventures. Encore merci, on se dit à très bientôt. Bon, là, peut-être que je vais faire du kayak, on va voir, hein, torse nu au bord de l'eau. Pas moi. Bon, allez. Là, je ne suis pas. On se dit à bientôt, prenez soin de vous, comme d'habitude. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Ciao. Et ce soir, on mange du renard.